Bonjour, bonsoir, bon dieu, bienvenue à Let's Play quoi, Let's Play, on peut me répondre, bien sûr, avec qui? Avec Maître Fun, et oui! Donc, on va jouer un petit peu aujourd'hui à, dans le fond, à Urban Revolts, comme on fait d'habitude. Bon, je vais jouer, je fais un deck, comme vous pouvez voir, là, j'ai, dans le titre, j'ai marqué deck, un deck Roots et Frozen. Pourquoi je fais ça? Parce que ce deck-là, c'est vraiment intéressant comme deck. J'avais carrément oublié de le faire. Un deck qui m'était très cher et que j'avais eu des scores vraiment impressionnants avec. Là, je l'ai modifié. Dans le temps, quand c'était du LO, là, je l'ai modifié pour, bien sûr, que ce soit plus facile. Ben, que ce soit EFC mode, bien sûr. Et qu'on puisse, bien sûr, avoir quelques beaux petits moments ensemble. Donc, voilà. Je vais juste vérifier quelque chose. Si le son est pas trop fort. Shut up, fool. Bon. C'est sûr que c'est un biclan, mon deck. Comme vous pouvez voir, là, j'ai grossi les cartes pour qu'on puisse mieux les voir. Donc, wow. C'est bon. Bon. Voilà. Bon, là, c'est à moi à jouer. Là, comme vous pouvez comprendre, mon but de ce deck-là, c'est d'avoir des stop pouvoirs d'un côté et de la revanche de l'autre. Donc, là, j'ai pris des cartes, comme vous pouvez voir là, dans mon deck, là, qui est bâti en haut. On peut voir les cartes, là. Bon, là, je vais commencer par jouer, là. Là, faut que je fasse attention à Sylvia LD parce que si je joue mon stop pouvoir en partant, ça peut me nuire. Et là, il y a un stop pouvoir Cardigan. Bon, ça va vraiment pas bien, mon affaire. Ok. On va être obligé d'y aller avec Tiwi LD pour essayer de se protéger. On va y aller à un Pills, on va voir ce que ça va donner. Quasiment garanti que. Bon, là, le but de mon. Dans le fond, le but de ce deck-là, c'est d'être un deck qu'on peut, bien sûr, bien se défendre et bien attaquer. Je sais pas si vous me suivez, là. Ah, comme là, je viens de faire quand même 3 de dégâts. C'est quand même assez excellent. Bon, là, vous pouvez voir, là, OK, si je fais une analyse, j'ai mon stop pouvoir, 4 stop pouvoirs. Bon, c'est ce que moi, j'adore jouer avec des stop pouvoirs. C'est vraiment... pour moi, c'est vraiment une façon de... Comment je pourrais dire ça? Hey, il est vraiment... Oh, ben mauvais! Aïe, il joue mal, ce gars-là. Incroyable. Ah non, OK, il joue pas mal. Ah, il a joué sa petite tactique, là. Okay. Vas-y, frappe-moi, là. D'après moi, il va gagner. C'est ça. Mais le but de mon deck, c'est d'avoir bien sûr des stop pouvoirs, comme j'ai dit, avec des pouvoirs qui peuvent me donner de la vie. Exemple, TWLD peut des défaites plus 3 de vie. Gonzo, il est plus 2 de vie, défaite ou victoire. J'ai 4 stop pouvoirs, donc un stop tout, un copy bonus, puis un qui modifie l'attaque. Donc, j'avais un ancien deck qui était avec Wookie et Rico, mais là, ils sont comme... ça va faire mal, ça. Il me fait 10, attendez un petit peu. Ah, non, je gagne. Là, je suis en revanche avec Lucky. Là, il est 11-3, puis j'ai fait 5 de dégâts, donc il va tomber à 5. Il va tomber à 5 points de vie. Oui, il stoppe mon pouvoir, mais ça, c'est pas bien grave, ça. Oh, non, non. C'est vraiment pas grave. Voilà, donc, il y a des beaux dégâts ici. Voilà. Donc, la vidéo va durer peut-être 40 minutes environ. Donc, voilà. Donc, je fais un live sur Twitch, ça me tentait. Donc, là, ça va être qui, là? On va se prendre contre qui? Un Quell, un Mono Quell. On attend, on attend. Pas mal le seul qui fait du Urban Revolt, je pense, live, ça. OK, bon, là... Bon, OK, moi aussi, j'ai mon tirage. Bon, là, vous voyez, j'ai mes réducteurs de dégâts, quand même, en rue.
Mais Imata, que j'adore jouer, c'est une carte vraiment excellente. Par contre, c'est moi qui commence. Bon, là, j'étais un petit peu... OK. Non, c'est pas super. Il y a Shaker qui m'achale un petit peu, mais je voyais avec Mayimata pour la simple raison que... Il a un Pills. Je vais à un Pills. Pourquoi je fais ça? Parce que d'après moi, il va sûrement piser plus que ça. Mais je suis pas sûr. Donc, on analyse, on regarde. Je sais pas ce que ça va donner. On patiente, on patiente. Donc, le jeu, en tant que tel, là, il est rendu sur Steam. Donc, oui, je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos auparavant. Est-ce que ça l'a redonné un regain de vie au jeu? Je crois que oui. Énormément? Je pense pas, mais je pense que ça leur donnait un petit peu... un petit regain de vie. Il est quand même noté 6 sur 10. Donc, c'est quand même bien. Il y a 118 commentaires, donc, quand même, depuis le 18 octobre. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est pas la mer à boire, comme on dit, mais c'est pas grave. Bon, là j'y ai fait 2 de dégâts. Donc, c'est pas si pire. Là, par contre... OK. On va y aller à 4 points, avec 4 curlis, parce que d'après moi, il va... OK. Bon, là, je viens de faire 4 de dégâts. J'ai fait 2, là, j'ai fait 6 au total. Là, il faut que j'analyse. Si je, mettons, là, si je vois que Ruru, dans le fond, OK. Il y a 70 d'attaque avec Scaretto. Bon, là, je vais essayer de lui faire cracher ses pills. Donc, là, je vais à 42. Je me garde 2 pills. Là, c'est un petit peu risqué, mon affaire, mais c'est pas grave. On va s'essayer pareil. Là, qu'est-ce que je fais, c'est que dans le fond, là, j'attaque avec Ruru à 42. Moi, j'estime qu'il va y aller à 40 pills avec Shakers. J'espère. Parce que s'il met 48, là, je suis dans la merde. Parce que, tu sais, il a calculé dans le fond. Lui, dans le fond, dans sa tête, il va se dire, OK, il fake avec Ruru. Fait qu'il garde ses 8 pills. Mais 7 pills, excusez. Mon 48 d'attaque. Fait que je vais essayer de mettre, je sais pas combien, là. Ah, la salle! Je viens de gagner. Calme, mais j'ai mal joué. J'aurais dû jouer plus safe que ça. Je vais en mettre 1 ou 2 pills. Là, il y avait juste 24 d'attaque. Incroyable. Unbelievable! On a perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Les choses qui arrivent. On peut pas toutes les gagner. Donc, j'étais quand même près de la victoire. Ben oui, j'étais près de la victoire. On va rejouer. Donc, voilà. Donc, en considération, là, je suis en train de penser à ça. Peut-être que cette vidéo-là va se retrouver sur YouTube, sur ma chaîne quand même. Parce que je vais avoir une annonce à faire demain sur ma chaîne YouTube. Mon acolyte qui s'y tout. Bon, on a décidé ensemble. Il va avoir sa propre chaîne YouTube, donc ma chaîne ne s'appellera plus Maître Fun ici tout. Ça va se renommer Maître Fun. Donc ça va être le retour de Maître Fun, tout simplement. Voilà. Donc là, je suis en train de voir que je pourrais peut-être un petit peu éditer ça ici. Bon, correct. Bon, là, on fait face à un Non, j'allais dire Mono Vortex, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est un Freak, c'est Vortex. Bon, c'est quand même pas si mal. Par contre... ouais, c'est quand même pas pire. Ben oui, ça a de l'allure. Il devrait être pas pire. On devrait s'en tirer, parce que là, moi, j'ai 3 stop pouvoirs. Donc, Sidos, qui est quand même 4 étoiles, pas si pire. Donc,
quand même. Correct. Ça devrait être possible. Je vais juste faire un test, là. Juste 30 secondes, les amis. Ah, ma grosse face LED. Voilà. Juste être sûr de faire quelque chose pour ça. Vous voyez ma grosse face. Je suis de retour. Bon, voilà. Ok, là, il a joué Seadusk. Ok, parfait. Seadusk. Bon. Bon, ok. Seadusk, c'est sûr que son pouvoir. Nelly, elle m'énerve pas parce que j'ai 3 stops pouvoir. Donc, Seadusk, est-ce que c'est. Est-ce que notre ami ici va avoir fait du bluff? En même temps, je vais me backer. Fait que je vais faire? Je vais y aller, mettons. Mais là, c'est un niveau 20. Hein. Ok. On va aller à 36 d'attaque. Comme ça, s'il me fait des dégâts, je vais récupérer mes pills. Bon. Il me fait 5 de dégâts, mais je récupère mes pills. Bon, ok. Il me fait mal quand même. J'ai récupéré 2/3 de mes pills. C'est pas si pire. Ok. Là, faut que je fasse attention parce que là, il y a Nelly qui va être en activation. Donc, on va y aller avec un pills avec Gonzo. On va essayer de se garder de l'attaque. Là. C'est plate que j'avais pas mon bonus là, d'actif. Là, j'y vais à 1 avec Gonzo pour voir si il va m'attaquer avec Nelly ou pas. Donc, je sais pas si vous aimez ça, là, la façon que j'ai mis ma vidéo. J'ai mis le chat en bas. Donc, quand même, on peut voir les gens qui chatent. J'ai mis quand même le deck là, en haut et en bas, là, le biclan. Au pays, ça serait un monoclan. Ça serait correct aussi. Là. J'ai mis ça comme ça. Je me suis dit, c'est une belle interface. On voit bien. Puis, on voit bien les cartes que j'utilise. Donc. Ok, j'avais pas vu, c'était. Lui, il l'avait juste en semi-évo. Ok. Mais là, je viens de gagner. Ouais, parce que regardez, là il me reste dans le fond. Je vais faire 9 de dégâts, il va tomber à 5 sans piser. Et là, j'ai mon réducteur d'attaque qui est toc. Et j'ai mon réducteur de dégâts aussi, d'attaque qui est toc. Donc. Là, lui ici, je vais jouer. Je vais jouer toc parce que. Non, attendez un petit peu. Si je vais à 5 piles, je suis correct. 1, 2, 3, 4, 5. Il va me rester 5 piles. J'ai fait 4 de dégâts. Je stoppe son pouvoir avec de Sea Wing avec Toc. Et voilà. Une belle victoire. Donc, il faut juste que je me réhabitue là, avec ce deck-là. Là. Une question de réhabitude, là. T'as un deck avec lequel, comme je vous ai déjà dit, j'avais atteint dans le temps, le Hello, là. Si je me souviens, attendez un petit peu, le Hello, comment ça marchait déjà? Attendez, là. Hey, je me souviens même pas des scores Hello, comment ça marchait. Pas fort, mon enfant. Là, c'est à cause du FC, à cause des mods qu'on monte. Le Hello, c'était en cote, mais il me semble, on avait, mettons, t'avais 1400 d'Hello, t'étais bon, tu sais. Là, c'est rendu EFC, c'est que dans le fond, tu montes. Puis là, tu montes de palier, comme là, je suis dans le palier des... Quel palier, ça, déjà? On ira voir après, ensemble. Après ce combat-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai mis la musique du jeu. Je me suis dit, la musique du jeu, ça c'est pas trop pesant, là. Donc, bon. Là, je me suis mis aussi petite correction. J'ai réglé mes choses là, parce que ça a lagué un petit peu là, la dernière vidéo. Je me suis mis filaire. Donc, je live en filaire. Oui, je suis sur le fil. Ah, c'est mon nom, ça, le fil. Voilà. Ok. Bon, la seule chose que j'ai oublié de régler comme il faut, c'est ça ici. Dans mon. Voilà. Et voilà. Bon. Ok, là, on fait face à un biclan. Oh, une chance qu'il n'y ait pas son ghost town. Et là, c'est à moi de commencer parce que j'ai plus d'étoiles que lui. C'est normal. Donc, j'ai plus de 3 étoiles. Il y en a 2 étoiles. Ok, parfait. Bon. Là, il y a les Hives qui sont un petit peu fatigants, qui sont Egalizer. Égalise mes étoiles.
Donc là, ça serait mieux que je parte le combat avec un stop pouvoir pour pas qu'il puisse activer son dope. Donc, dope ici, là. Poppy Marie, là. Je sais pas si on voit bien avec la souris, là. Ouais, Poppy Marie. Faut pas qu'il. Il ne faut pas que j'active ça, ce pouvoir-là. Donc, là, il faut que j'y aille avec soit Toc ou Gonzo. Donc, là, la logique, ça serait que si j'aurais eu, bien sûr, mon autre clan en pouvoir actif, ça aurait été bon de jouer Gonzo. Mais je vais jouer pareil. Je vais jouer à 3 pills. Je crois que il ne fera pas. Il va se laisser frapper. Peut-être pas non plus, mais en même temps, je me protège avec Gonzo de la récupération de 2 points de vie advenant la défaite. Donc, Gonzo est une très bonne carte. Là. Vous avez une carte qui est semblable à Flora dans les Roots, qui est 5-3. 2 étoiles. Défaite, par contre, seulement. Bon, vous voyez, là, c'est ça que je pense. Là, j'y ai fait un dégât. Je me suis donné 2 points de vie. Donc là, je viens de faire une différence de 3 points de vie entre les deux. Donc, c'est quand même pas si mal. Faut seulement que je analyse comme il faut. Donc... OK, on analyse ça. Juste à vérifier, les amis, ce sera pas bien long. On va vérifier le son, là, que c'est pas trop fort. Là. Juste un instant, ce sera pas bien. Ce sera pas très long. Je vais fermer le micro. Je sais pas si je peux fermer le micro. Non, je vais pas fermer le micro. Bon. On va mettre ma main dessus. Pour pas qu'on l'entende. Ah, la musique est bonne. C'est bon. Go, go, go. J'écoutais juste le son. Le son de ma vidéo. Bon. Là, il est allé avec Poppy Mary. Bon, Poppy Mary, je vais tenter de voir s'il n'y a pas trop mis de pills là-dessus. C'est ce que je doutais. Voilà. Bon. OK. Là, on va y aller avec le tout pour le tout. Pour la simple raison que... faut que j'y aille pour le tout. Donc, je vais y aller avec TWLD à fond de train. Pourquoi je fais ça? Parce que là, il va s'imaginer, en tout cas, je pense, parce que c'est quand même un joueur de niveau 112, donc c'est pas un joueur, un petit joueur poche. Là. Normalement, faut jamais se fier sur le niveau de joueur. Mais là, si on regarde le niveau de joueur, il va peut-être se faire battre. Et voilà, c'est ce que je pense. Je l'ai battu. Je t'ai battu. Donc, c'est quand même pas si pire. D'accord. Donc, je m'attendais pas à ça. Je vais vous dire franchement. Là. Je m'attendais pas. Ben, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai joué dans le fond. J'ai joué mon défaite. Puis, il pensait que j'allais rien mettre. Et que j'allais récupérer 3 points de vie. Et ce n'est pas le cas. Donc, notre ami ici ne fait seulement 7 de dégâts et je vais avoir 9 points de vie. Donc, une autre victoire. Quand même bien. Très bien. Ouais, ouais. Voilà. Une belle victoire. Donc, on est rendu à 1028. Je pense avec mon deck, si je veux regarder rapidement, là, je crois que je ne pourrais pas le garder... après le prochain niveau. Parce que j'ai des cartes qui sont dans le prochain EFC mode, donc qui vont être bannies, comme on peut dire. Je suis comme ça. Bon. Un mono Rio. Ah non, pas mono Rio. Bon, moi j'ai mon tirage, par exemple. Je suis content d'avoir mon tirage. Donc, pour les gens qui aiment ça, être sur Twitch, ben, on dit allô. Regardez, allô. Je dis allô. On le voit pas, allô? Bon, on voit pas ça. Pourquoi on voit pas? J'ai dit allô. Ok, on le voit là. Excusez-moi. Donc, c'est pas facile des fois de configurer notre ordinateur pour faire des beaux lives. Allô, j'ai dit allô. Bon, là, il a mis son Rio. D'accord. Donc, son Rio à elle, il faut que j'astop. J'ai pas le choix.
il faut que j'absorbe ça, ces 6 de dégâts-là, parce que sinon, je vais avoir 6 de dégâts dans ma... Je veux dire, il faut que je bloque ça, parce que sinon, je vais avoir 6 de dégâts dans ma face, et ça sera pas super génial. Donc, on va y aller à Actoc à 35, parce que normalement, on y va pas plus haut que ça. Ah! Oh là 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 là! Arrgh. Là, ça, ça fait suer, ça. On va y aller avec 1 avec. On va y aller à 1. En espérant qu'il se laisse frapper. J'espère qu'il fera pas qu'est-ce que je pense. Se mettre en furie avec PR Balthazar. Si c'est le cas, je suis cuit. I'm done, comme on dit. Donc, il n'y a pas grand gens qui regardent dans la ligne, mais c'est pas grave. Moi, je fais ça pour le plaisir. Je joue à ce jeu. Car j'adore ce jeu! Vous le savez tous, c'est Noé. Donc, cette vidéo va se retrouver sûrement sur, sur YouTube à la fin de ma vidéo. Là. Une petite vidéo d'à peu près une vingtaine de minutes environ. Mais moi, je fais ça pour le plaisir. Là. Simplement. Eh oui. Simplement pour le plaisir de la chose. Là. Vous savez. Par contre, je me dis une chose, je suis en train de... Ah, je le savais. Je le savais. Ah, tu sais que je le savais. J'aurais dû me protéger. Pas grave. On peut pas toutes les gagner, hein? Comme j'arrête pas de dire. Hey, là, je vous ai encore oublié d'aller vous montrer le mode là, que je voulais dire. Oh, oh, je voulais pas toucher à ça, moi, là. Bon, on va aller voir, je vais vous le dire c'est quoi le mode exactement. Là. Mode de jeu. EFC. Bon, vous voyez la zone que je vous dis là, c'est Danger Zone. Voilà. Danger Zone. C'est ça. Voilà. Danger Zone. Bon. Là si on regarde ensemble. OK, bon, les plaques, les plaques LD. Donc, ces cartes-là, on peut les obtenir en passant en faisant des missions. Des arcades. Des saisons d'arcade. Donc, si vous voulez... Excusez-moi, là. J'ai la misère avec mon nez. Si vous voulez les avoir, il faut que vous complétez les missions. Donc, dans les saisons contre l'ordinateur. Moi, je les complète pas encore. Faudrait que j'y fasse, là. Il manque un petit peu de temps pour jouer seul. Bon. A priori, je devrais pas avoir de la misère à gagner, mais il faut que je sois quand même prudent. Pour la simple raison que là, je suis en train d'analyser son affaire. Puis là, il doit avoir sûrement... Il va sûrement m'empoisonner. Je redoute qu'il m'empoisonne. Donc, juste ce petit doute-là. Donc, on va y aller à 2 pills avec notre ami Gonzo. Moi, son style de jeu, faut toujours regarder le deck du joueur en face. Là, on regarde là, son analyse. Bon, il y a deux Freaks, donc des poisons. Et il y a Ginger qui est à 1 étoile semi-évo. Celle-là, je la comprends pas. C'est sûrement pour remplir son deck qui a fait ça. Ça, c'est une chose que je me suis toujours posé comme question. Pourquoi qu'Urban Revolt sorte pas des cartes 1 étoile? On va le faire. Ça mettrait tellement plus de variantes. Là, dans les... Ben... Ouais. Peut-être que ça déséquilibrerait le jeu un peu. De la force, s'il sort des 1 étoile, il faudrait qu'il sorte des 6 étoiles. Ça serait peut-être trop fort. Bon. Là, je viens de faire ça. Là, il faut que je le bloque, lui. Il faut que je le bloque. Parce que sinon, il va m'empoisonner. Puis c'est pas ça que je veux. Je vais essayer de le bloquer. Oh! J'avais pas vu ça. Mais quand même, là, je viens d'y enlever quand même une couple de points de vie. Là, on va se... Si m'empoisonne... Ouais, ça. Il va peut-être penser que je vais essayer d'y aller plus fort. C'est parce que l'affaire, si je regarde là, en ce moment sur Twitch, je suis dans le mode, bien sûr, Urban Rebels. Par contre, si je regarde, disons, si vous allez, disons, dans les IRL,
certains-là, des fois, qui font. Ils jouent à des jeux. Ils jouent à des jeux, même si. Là, ils m'empoisonnent. C'est ce que je pensais qu'il allait faire. Bon, là, il va. Il pourra pas se mettre en furie. Donc, il va me faire 3 de dégâts. Et moi, je me récupère mes 3 de dégâts. Donc, je vais gagner pareil. Il va juste me faire. Vous voyez, là. Il me donne 3 points de vie. Et voilà. Belle victoire. Bon, voilà, on continue. On va faire rejouer. Donc, ça va quand même très bien pour l'instant. Donc, je regardais peut-être me mettre en IRL, mais je regarde les gens, puis c'est plus du. Les gens, ils font plus des affaires. Ils jouent pas au jeu. Pas vraiment des jeux qu'ils jouent. Ils parlent plus ou ils font du. Excusez. Ils parlent plus ou ils font du live. Ils font un petit peu n'importe quoi. Donc, voilà. J'ai 0 spectateur. Mais voilà. On est là pour se faire du fun. Bon. Donc là, j'analyse le deck de mon adversaire. Un mono banners. D'accord. Un mono banners. Hein? Bon. Là, c'est à moi à jouer. Bien entendu. Et j'ai mon biclan. Donc là, je suis content. J'ai mon biclan. Ok. On va analyser ça rapidement. Ok. Là, il faudrait que j'y aille avec. Ça risque d'être peut-être le dernier combat de ma vidéo. Vu que ma vidéo ne dure pas plus que 30 minutes. Bon. Ok. Là, je vais y aller avec. Hey. Je vais y aller avec Lucky, je pense. Parti avec ça, là. Ah, non. Il va y avoir que Randall. Bon. On va y aller avec Gonzo. Encore avec 3 pills. Qu'est-ce que j'aime de Gonzo? Peut-être qu'il aurait fallu que je mette dans mon deck confiance. Un pouvoir confiance. Quand vous gagnez, ben la confiance, le pouvoir confiance, quand vous gagnez, le pouvoir s'active. Mais c'est dur à jouer confiance, je vais vous dire. Là. Ça me surprend qu'ils n'ont pas fait un clan confiance. Parce qu'ils ont fait le clan revanche. Mais le clan confiance. Oh, ça serait peut-être pas aussi bon que ça. Vous voyez, là, il a juste joué un pills. Bon. Là, j'ai fait un dégât. Et je me suis donné 3 points de vie. J'ai gagné grâce à ça tantôt. Donc, on va voir que ça va donner. Là, Dixie ne fait pas peur pantoute parce que j'ai Lucky et j'ai Tuck qui peuvent bloquer son pouvoir. Même affaire pour Kirk. Il y a juste Randall. Dans le fond, j'ai peut-être l'avantage, mais là, j'ai plus l'avantage en frais de pills. Là. Parce que là, j'ai mis 3 pills. Je pense qu'il aurait mis un petit peu plus de pills. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ça dépend vraiment quelle carte qu'il va jouer. Là. Elfenlin. Ça dépend. J'ai moins le temps de faire une longue vidéo aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille travailler, bien sûr. J'aille travailler à mon travail, mais je fais. On appelle ça. Du temps cumulé, ouais! Ben, je vais prendre des congés pendant le temps des fêtes. Donc, j'ai moins de temps d'en faire. La semaine prochaine, je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Là, je suis encore en rodage. Rodage avec mon ordinateur. Parce que j'ai. Je la connais pas encore à 100%. Bon, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Ok. On va me laisser une frappée de 3. Comme ça, je vais activer. Voilà, là, ils viennent de mettre les pills. Une frappe de 4, je récupère 3 points de vie. Donc j'ai toujours l'avantage au niveau Là, la seule chose. Est-ce que. Je vais, disons, à 2 pills. Je fais 5, je vais descendre à 8. Et lui, il pourrait me faire un maximum de 7. Donc je descendrai à 8. Je vais essayer ça. Je vais y aller à 2. Ouais, parce que sinon, venant le cas qu'ils se mettent en furie avec Tuck, ben.
attendez un petit peu. Juste j'analyse. S'il me fait 6. S'il me fait 6, je tombe à 9. Moi, je peux y faire 4 de dégâts. C'est correct. Je vais aller comme ça. À 2. Là, j'y vais à 2 avec Tuck. Là, j'essaie comme de d'aller safe. Tout dépendamment de ce qu'il va faire. Je vais essayer d'y aller safe en essayant de gagner. Ça, c'est clair. Plus ou moins, mais c'est pas grave. Ok, est-ce qu'il va y aller en furie? Oh! Attendez, là. Non, non, il vient de gagner, le sale. Oh, le sale. Ah non, il a pas gagné, en fait. Excusez-moi, sale. Là, je vais avoir 5 de dégâts, on va être égal. Bon, une nulle. Une nulle. Comme dernier combat, c'est une nulle. Eh oui, une nulle. C'est pas grave. Ça arrive des nulles à tout le monde. Donc, voilà. Ok, parfait. Donc, est-ce que j'ai fait mes 10 combats pour avoir ma récompense? Il m'en manque 2. On va les finir. Mais je vais ouvrir ça, moi. Qu'est-ce que ça va me donner? Il y a Daily Box. Le Daily Box, des fois, il est assez généreux. Voilà, ok. Oh, 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 quand même, quand même. Ok, bon, et voilà. Donc, voilà. Donc, là, je vais switcher. Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo qui était quand même courte en live, mais qui va être sur YouTube, comme je vous dis. Donc, cette vidéo-là, il va commencer bientôt à avoir des belles choses autour de moi sur YouTube, là. Merci d'avoir été là, live sur Twitch. Merci de regarder la vidéo sur YouTube. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo de Urban Rivals. Donc, c'était du FC Mod avec un biclan Roots Frozen. Donc, je n'ai toujours pas reçu d'idée pour les joueurs, des gens qui regardent mes vidéos. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des idées de deck, que je vous donne des idées de deck ou tout ça, peu importe, si vous voulez que je vous aide dans n'importe quel mode, ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo en regardant des decks, parler de ça. Moi, je trouve que ça serait peut-être une idée à aborder, ça. Donc, ça soit live avec vous. Peut-être on pourrait discuter ensemble aussi, faire une discussion live avec quelqu'un, n'importe qui. C'est une idée que je lance comme ça. Donc, faire un genre de chat ensemble, là, direct, là, comme certains YouTubers font, ou Twitch, là, peu importe. Là. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Donc, c'était l'épisode 111 ou 110, là. En tout cas, je suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Donc, on s'en balance un peu. Donc, merci d'avoir été là. Donc, n'oubliez pas, tout va apparaître autour de moi en ce moment. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit, merci. Il vous dit à la prochaine, qui vous dit bonjour, bonsoir, bonne nuit. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. À la prochaine.